Les aventuriers. Wow. Ouais. C'est nous. Wow. Mmh. Les aventuriers. Waouh, c'était trop génial. Qu'est-ce que t'en penses, Tigrou? Oui, les vents sont très sympas. Je ne sais pas ce que c'est que kawaii, mais il me le dit sans arrêt quand il me croise. Mais peut-être qu'il te trouve mignon. Tu vas voir, tu vas lancer la mode du costume de tigre par ici. Ouh, oh, ça serait trop dommage du tigre qui ne rugisse pas. Un tigre n'a pas besoin de rugir pour être un tigre. C'est avant tout une façon de penser. Et où est-ce qu'on va déjà, Lara? Et au port. Nous avons vraiment eu de la chance de rencontrer ce vieux samouraï aveugle près du lac Lotus. Je ne comprends pas comment un samouraï aveugle a pu voir Indiana, et encore moins comment il l'a vu entrer dans un bar du port de Tokyo. Un samouraï n'a peut-être pas besoin de la vue pour voir, Tigrou. Tu as certainement raison, Zalim. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses, ou de ne pas les voir. Bon, vous venez. Alors, B1, district 17, on y est normalement. Ah, oh, je comprendrai jamais les plans des quartiers japonais. C'était quoi le nom du bar déjà? Le Harukiya. Je comprends pas, ça devrait être là. Voulez-vous que je bondisse pour regarder les maisons par-dessus? Harukiya, ah, c'est là. Oh là là, ça a l'air miteux. Oh, ça ne m'étonne même pas, Didiana. Bon, allons-y. En route! Lara! Tatsuo! Oh Lara, tu es venue! J'ai bien failli ne pas te trouver. T'avais vraiment besoin de te terrer dans le bar le plus éloigné de la ville? Oh, je savais bien que c'était une mauvaise idée de payer ce vieil aveugle à l'aéroport pour qu'il t'explique où j'étais. Tu vois, Zalim, t'avais dit que c'était bizarre. Bien joué, Tigrou! Dis-moi, Lara, tu fais du babysitting maintenant? Oui, oh, ça ne change pas vraiment de Dundee ou de ton frère? Et toi, tu me présentes pas tes amis? On est en train de monter un groupe. On écrivait à l'instant les paroles de notre première chanson. Voici Kaneda. Kaneda! Et Tetsuo. Tetsuo! Zalim! Tigrou! Le problème, c'est que dès qu'ils boivent une bière, ils n'arrivent plus qu'à chanter leur prénom. Tigrou! Tetsuo! Zalim! Kaneda! Indiana, on peut sortir 5 minutes. Il faut que je te parle. Allons près du phare. Le lever du soleil y est magnifique. Tu verras. Oh, Indy, il est 17h. Oh, déjà? Zalim! Kaneda! Tetsuo! Bon, on en est où, toi et moi, Indiana? Je crois que je le sais maintenant. Je veux être avec toi, alors, tout le temps. Tu veux partir à l'aventure avec Dundee, Flagada et moi? Ça va leur faire plaisir! Non, non, Lara, tu comprends pas. Dis-moi alors. Je veux être avec toi tout le temps. Je veux dormir dans le même lit tous les soirs, avoir un toit, à moi et à toi. Des enfants, qui sait? Et c'est pour ça que t'es allé voir Sydney? Aucun rapport. T'étais toujours de l'autre côté du monde. Et puis... tu crois que j'ai pas entendu à propos de tes histoires avec Rick O'Connell, Phil Miller ou bien John Malkovich? Ok, bon, on joue à quoi là? Une crise de jalousie? Non, non, je m'en fous là. Tout ce que je veux, c'est que tu réfléchisses à ma proposition. D'accord, je vais y réfléchir. À vrai dire, ça me rappelle quelque chose cette discussion. Ah oui, et quoi? Tu te souviens de la première chanson que tu m'as chantée? Quand on s'est rencontrés pour la première fois, toi et moi? Si je m'en souviens, pourquoi je suis venu ici, à ton avis? C'était mon premier séjour au Japon, et dès que je t'ai vu, j'ai su qu'on ferait tout ensemble. On était jeunes, on avait des étoiles plein les yeux. Quand on la regarde comme ça, la vie semble si dure que quand il faut faire un choix, on ne sait pas où l'on va quand on les regarde comme ça. Les autres semblent si sûrs qu'on en hésite parfois à marcher dans leurs pas. Mais toi et moi, on veut découvrir le monde avant ça. Mais toi et moi, on va le découvrir. Les autres ne nous comprennent pas. Tant que l'on est tous les deux, cela nous suffira. Il viendra peut-être un jour où l'on changera de voix. Tant qu'on le fait tous les deux, ce sera notre choix. Et toi et moi, on aura découvert le monde comme ça. Et toi et moi, ce sera super. En attendant d'ici là, on part à l'aventure. Et puis on verra, la vie c'est comme ça. On a
part à l'aventure. T'as raison, Lara. Mais c'est justement ça que je te propose. Seulement, c'est une aventure d'une autre sorte. De nouvelles découvertes. Ça me donne presque envie, Indy, mais... Mais je dois finir quelque chose avant d'y réfléchir. La prophétie de la ligne, c'est ça? Quoi, mais... Mais comment tu sais? Eh bien, Flagada m'avait mis la puce à l'oreille en me parlant de l'Amazonie et de l'Himalaya. Et c'est pour ça que je suis venu ici, pour vérifier quelque chose qui est écrit sur le journal de mon père. Oh, et qu'est-ce que c'était? Regarde sa vieille carte. Un X marque l'emplacement. L'île de Yonaguni? Exactement. D'après mon père, des hommes parlaient d'une structure pyramidale sous-marine à l'extrémité sud de l'île. Génial! Quand est-ce qu'on part? J'en reviens. Quoi? Eh bien, j'ai loué un bateau, je suis allé au-dessus du X de l'emplacement, j'ai plongé, j'ai trouvé la pyramide et, comme tu me l'as appris, j'ai dynamité l'entrée. Je me suis fait agresser par des crabes tueurs. Et puis, une sirène est intervenue, elle chantait un truc du genre « En suivant la ligne, en suivant la ligne ». Du coup... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose, ces paroles. Dis donc, pour quelqu'un qui veut plus partir à l'aventure, t'assures plutôt mon junior préféré. Je l'ai fait pour toi, Lara, et arrête de m'appeler junior. Et alors du coup, la bonne nouvelle? Je sais où se trouve la pyramide suprême. Mais c'est génial! Et la mauvaise? Eh bien, elle se trouve en... Australie. Bah oui, comment tu le sais? Flagada et Dundee doivent déjà nous y attendre. Oh, il faut qu'on prenne le premier avion pour Sydney. Indy, viens avec moi, une dernière fois. Une dernière aventure? Et après on arrête? Promis. Alors, pas besoin d'aller à l'aéroport. J'ai amarré mon hydravion dans la baie. On peut partir dans une heure. Je vais chercher les deux zigotos et je te rejoins. J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Alors qu'Indiana et Lara embarquent pour leur ultime aventure, vous vous demandez certainement ce que Dundee et Flagada ont découvert en Australie. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'entendre dans le prochain épisode des Aventuriers. Suivez la ligne et passez par Sydney. Les Aventuriers !